à vous les amis, on sort le petit Aize, hop, il s'est fait up. Et voilà, si vous m'avez vu, enfin si vous regardez mes streams, vous avez pu voir que j'ai pas mis les games encore sur YouTube, mais c'est toujours super bien passé. Genre honnêtement, c'était de la destruction de partie quoi, je veux dire, on a détruit à droite, on a détruit à gauche et on a détruit aussi au milieu. Et du coup là on va, on sort le petit Aize, on a une Soraka, on est contre Sivir Sona avec une Kayle mid, donc autant dire que ça va être l'amusement et le bonheur cette game. Ils ont pris l'exode sur Sivir et le heal sur Sona, ce qui est plus opti. Plus opti de prendre le heal sur le support qui fait ardente. Tant donné que vous avez tout ce qui est heal augmenté, vous avez la keystone aussi. Qui augmente vos heals et vos shields. Vous pouvez te faire un 8. Que venir, ça serait sympa. J'ai pas fait un 8 hier mec, hein. Merci à toi pour ton sub, mais c'était pas un 8 déjà. Parce que ce serait bien de rétablir la vérité. Déjà c'était 0-8. Et en plus j'avais 2 assists, donc voilà. C'était un total de 0-8-2. Donc j'ai pas trop la publicité mensongère sur mon stream, donc prochaine fois évite s'il te plaît. Hop, je vais passer pour un noob aux yeux de l'univers. Hop, la petite Q-spell qui touche. Hop, la petite auto. Fais gaffe, Sona c'est assez fort. On a les mêmes summoners sur les deux. On peut aussi jouer aussi sur le fait qu'ils ont pas forcément l'habitude de jouer avec ces sums là. Et le fait que Sivir c'est assez low range. Pour rien. Sivir c'est assez low range, du coup je peux la DPS sans être en range de l'exhaust. Enfin je peux pas DPS, je peux la pop avec mon Q-spell. Mon premier game de la journée, je suis pas super chaud pour l'instant. J'ai la tête ward, c'est quoi le jungle? C'est Kayn. Bon ça va pas les meilleurs ganks hein. C'est pas qu'ils puissent faire grand chose sur nous pour nous mettre des dégâts, mais c'est certain qu'ils puissent nous tuer. Surtout si on a des sums. Okay, on va aller poser une petite ward ici. Tant qu'ils sont pas à niveau 6 en face, à mon avis, ça peut jouer pour faire quelque chose. On va me Q, non? Non, ça. Peut-être pas pris son. Non, il a pris son au niveau 2. Ouais. Ah, Ken, attention. Ok, heal, flash, on peut plus avoir beaucoup. Ok, pas grand chose. C'est à moi qu'il faut demander. Merci à toi mec, pour ton sub. Et parce que je racontais, parce qu'aujourd'hui c'est la Saint Césaire. Et du coup je lisais un peu l'histoire, tu vois, parce que toujours intéressant de s'instruire. Ça a été exhaust aussi d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup il en reste plus que le flash son à bot. On les a bien reboot. Nice, il y a un shield dans le vide. Bon, j'ai pas mal de CS auto pour prendre ce trade. Il pote maintenant, en plus c'est parfait. Elle a eu son flash Senna. Putain mec, merci Prime, j'avais pas vu. Bon, du coup ils ont aucun sur bot. Trop bien hein, d'avoir des mecs sympas qui regardent mon live et qui me donnent les infos et tout que j'ai raté. Hop là. C'est pas qu'ils vont me pressure tout court-ci, c'est un peu. Bon, après ils vont juste mettre des dégâts à la tour, ils vont pas mettre grand chose vu qu'ils ont pas de stuff. Honnêtement ils auraient du back là-dessus, c'est un bon timing back pour eux. Par contre mon farming là est catastrophique. Hein. Joue avec des HP en jaune. Et du coup il n'a pas d'armure ni d'AMR. Donc comment dire, c'est fort pour la lane. Très très faible en termes de scaling. Ah fuck, j'ai pas eu. Hop, prends le petit sbire. Là je prends un 6 sur Sona, c'est tout ce que je voulais. Oh la troll. C'est long. C'est le kill que je voulais ici par contre. Non. Oh il m'a tellement troll. La wave était parfaite quoi.
J'aurais dû instapping, mais en fait j'étais en train d'analyser si c'était bien ou pas. Quand je fais nickel, la wave est parfaite. Il met un gros E-in. Bon, au pire, avec ces gods là, si j'ai toute la wave, je peux faire une brillance avec ma tire. Si j'ai pas toute la wave, je peux faire une pickaxe. Ouais, il va me manquer 40 gold quoi. Je vais les attendre, je pense. Good job. Dommage que Soraka soit morte, elle est vraiment morte pour rien pour le coup. Regarde, ça a même pas besoin de flash là-dessus. Double kill, easy peasy. Je vais t'attendre un tout petit peu. Il manque 11 gold. Nickel, en plus, top, il est mort deux fois déjà. Top laner adverse. Ah, c'est pas mon top pour l'instant. 2-0-1. C'est-à-dire que Camille a solo kill top. Après un gang de Gragas. Il y a du flash sur le Gnar, je pense. Il a acheté quoi? BF bot. Ils ont les shields de l'île augmentés. Et nous, par contre, on a l'item support. Du coup, Soraka va engranger plus de gold. Il devrait en théorie avoir l'ardente plus tôt. Quoique, il y a quand même beaucoup d'avance là en termes de gold, Sana. Ça fait potion rechargeable en fait. Sinigelf, c'est le genre de joueur. Quand il joue genre il joue Sona, Lulu, Janna et tout. C'est le genre de joueur qui vraiment lui c'est. Il a qu'un objectif et c'est l'ardente en fait. Il va pas acheter de potions, aucune, il va pas acheter de ward. Il va vraiment acheter que tout ce qu'il lui faut pour l'ardente. Jusqu'à ce qu'il l'ait en fait. Et après il va commencer à bailler un peu autre chose. On va voir d'ici sans qu'ils aient l'info. Petit Q spell sur Sona. Il dépouche un peu la wave, je sais pas pourquoi je suis en train de là. Ok, niveau 6. Je pense que c'est ward ici là. Ok, ça peut me second quand même. Fuck. Il a eu peur. Il a pas eu la TP ou... Ok, elle était comme ça. J'ai un peu overreaction mon flash, je pense. Mais il a eu peur, Gragas, il aurait piqué. Nice. Excellent, c'est un peu dur. Attention. Pas d'info, on a Soraka. Ouais, bah c'était un peu beaucoup trop overreact de ma part. Ce flash in. En fait, j'aurais pu tout simplement dash. Et j'avais toujours mon flash heal en cas de besoin, mais là je pense c'est genre. C'est le matin encore, moi dans mon corps. Hein. Du coup, j'étais en mode. Vas-y, go, j'ai mis trop de temps à réagir sur le move, go, 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 on envoie tout, tu vois. Bah, j'aurais clairement pas dû. J'aurais pu garder mes deux sums là-dessus. On a quand même pris le double kill, mais. En fait, en vocal. En vocal, il aurait pas eu de soucis parce que j'aurais fait grâce en mode go, 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 go. I can flash heal, I can flash heal. Il aurait fait ok, let's go, let's go. Et du coup, on s'aurait fait double kill. Mais là du coup c'était juste de summoner un peu gâché. Mais ça va, c'est vrai que on prend quand même le double kill. Avec une bonne décale et un très bon ulti de Talia, ils ont tout utilisé du coup. Non bah non, elle a juste flash aussi Sivir. Je sais que Sona a flash. Sivir a pas flash le mur, donc j'imagine qu'elle a flash un petit peu avant sur le gang de Gragas. Je peux faire attention. C'est trop tard pour aller prendre ça. Petit spell. C'est parti, bot. Hein. Si, mais il peut sortir quand même. Ah, il peut sortir avec lui, ok. Je voulais savoir si ça allait le ramener dedans ou pas. Non, il peut sortir, on peut prendre ça, je pense. Hein. Let's go. Qui c'est Kayn? Ouais, j'allais me dire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle TP? Elle se fait silence par Soraka, knock-up par Gragas, on a l'ult et tout. Genre, qu'est-ce qu'elle voulait faire avec sa TP là? Ah, il fallait Jhinny. Non, il va tout prendre. Je vais back. Je sais pas si swap tout de suite c'est une bonne idée. Faire ça, ça. Ok, il a pas le time. Freeze ou pas? Ok, freeze pas, il faut que je retourne bot.
Sivir ça push assez vite, il va repush cette wave. Soit il push l'annexe, soit il décale, ok il décale. Je commençais à bouger aussi mais... Ok pour le pas Gragas. Je joue extrême rider, Non, je vais mourir, elle a récupéré son Q. Elle court trop vite. Putain, la mort pour rien quoi. Ils auraient pas dû forcer là, j'aurais pas dû essayer de les backup. Franchement, ça aurait été mort, c'était trop tard. Le fait qu'elle ait juste un raider faisait qu'on pouvait pas l'aider. Anyways. Putain, elle fait mal qu'elle ait si peu de stuff. Et même pas un item. Dommage, on a perdu masse tempo là. Je vais reprendre mes votes quand même. Faut repush ça rapidos. Je vais prendre la pression, je vais set des calimides. Ils ont pas de réel wave clear mid lane. Genre ils ont juste Kayle en fait. Kayle ça c'est pas vraiment du wave clear. En fait elle est obligée d'auto et de se commit pour clear la wave. Du coup on peut essayer de jouer autour de la T1. On a pas d'info bot par contre, faut qu'il fasse gaffe. Kayle est bot side. Il veut faire le gros play, ils ont deux solutions en face. Soit ils vont top et essayent de cheese en anticipant le swap. Soit ils restent bot et ils cheese, soit en, entre guillemets aussi anticipant le swap en tuant Camille en V2. Soit on nous triple man sur notre gueule. Pour l'instant il y a Kane dans le coin donc les gars. Ouais je me save pour le moment. On a un top laner qui gagne, y'a pas de réelle raison de swap pour le moment. Ça a pris le contrôle de la jungle. Hop là, on bait le shield hein, évidemment. Tout était prévu. Il y a Kayle qui bouge par là. Ouais, faut partir. On a pas tellement le choix là. Ils font la même à topside donc. Je vais lutter la wave pour leur faire perdre du temps. Rampage. Kaka est revenu là. Alors, le truc qu'il faut respecter. En gros, là tu vois, typiquement Gnar a pas respecté ça. À l'opposé. Du coup, il a perdu la tour et en plus de ça, il a donné un kill. Nous, on aurait donné 2 kills en plus de la tourelle. On aurait peut-être pu def. Je pense qu'on pouvait def en 2v3, mais vu qu'on avait pas d'info Kyle, c'est très très possible qu'elle serait quand même venue si jamais on avait stay. Là, elle est partie parce qu'il n'y avait pas besoin du coup d'elle pour prendre la tour. Ok. Normalement elle peut def Talia hein. Il y a suffisamment de wave clear, faut que je suis noyé de plus moi. On la pression mec. When you've got this much skill, every shot's a luck. Ça commence à être un peu chaud là. Ok ça va super top. Ah Kane. Je arrive. C'est la potion parce que ça partit en couille. Pour le Kai. Une forme pendant qu'elle ultime. C'est d'optimiser tout ça. Hein. Kane va push boss, que quelqu'un peut dev, ce serait pas mal. On va pouvoir prendre la T1 mid là du coup. On va vraiment pas respecter. En plus j'avais l'ascendant sur le roam par rapport à Kay. Prends la tour sans toi. Je vais cuspel l'autre là. Je dois utiliser l'annexe par contre.
Là il faut que je l'ulte. Il y avait trop de personnes mid. Et ça me permet de recall en speed. Je fais quoi comme bot? Bah Tabi, hein. C'est très très vite vu. En plus lui il joue avec la femme assassin. Ah merde, ouais bah voilà, il a one shot. D'abord essayer de rush ma trinité en fonction des gueules que j'ai. Là si j'avais 800 gold j'aurais fait les Tabi, mais ce n'est pas le cas. Il y a une TP2. Gnar au top. Ah c'est pas. En fait même si je pense que Camille va mourir. Et genre au mieux ils font 2 kills pour une T1 mid et c'est pas worse. Je peux pas def moi ça malheureusement. En plus si on fait aucun kill là-dessus c'est clairement pas worse. Ok ils partent, c'est fine, je pourrais m'avancer. Oh il se fait éclater bot. It's not jungler, il se fout l'assassin. Camille le démolit par contre. Oh. Ah ouais, je crois pas la kill. J'aurais peut-être pu s'il avait pas son web. Qu'est-ce qu'il raconte en chatol à chaque fois lui? On va perdre la tête en top. Danger, mystery, forbidden knowledge. Je préférais flash hein. J'ai ulti sur AK aussi mais. En fait je sais pas s'il avait encore son ult et. Il fait vraiment mal en fait. Du coup je préfère assurer le kill à 100% vu la... comment la game était en train de partir un petit peu. Genre on est bien mais le truc c'est qu'ils sont en train de nous remonter, assez hard. Autant de dégâts que possible. Faut que je prenne la wave mid par contre. Et j'ai envoyé le chevalier en ardente. Oh putain il fait mal. Ah, fuck. J'aurais dû respecter un peu plus là dessus. On gagne quand même ce move. Mais j'aurais dû respecter un peu plus. Avec l'étalité en tout cas ça va vraiment réduire ses damage. Vu qu'il est full létalité. Dommage j'allais essayer. En fait dans ma tête j'étais déjà en train de viser mon ulti pour sniper Kayle. J'aurais dû respecter un poil plus. Je vais go BRK je pense. Avec l'ardente c'est bien. Il y a un Drake soon. Le truc c'est Kane là, enfin Kane avec ce... Avec cette forme il va fall off, et ce stuff il va fall off really fast. Rien que des tabis honnêtement ça réduit vachement son potentiel. Pas bu grand chose d'autre, je pense pas faire un GA. J'ai pas envie de faire vraiment un item défensif AD. Pokémon, c'est vrai qu'il y a là-dessus. À la flash en plus, fuck. Keep là-dessus. Je veux pas qu'il me tape, pas qu'il me suive. Je suis obligé de tempo, hein, la Kayle.
Nice. Toucher le slow. Encore slow, ça commence à faire mal là. Ouais, ce que je me doutais qu'elle allait arrêter de me chase. Faut qu'il fasse gaffe par contre. Respect Kane, guys. Only fret. Ah putain, non, on est obligé d'aller dans le mid en fait. C'est un peu trop le disrespect. Je pensais qu'ils allaient rester top. Mais ils quittent un peu avec l'ulti. Ah fuck, elle l'a récupéré quoi. C'est ok, elle exhauste un peu tard, mais ça aurait pas changé grand chose si elle a récupéré son ult. J'ai pas cut, ça sert à rien, à partir du moment où je t'ai commit, pas grand chose à faire. T'inquiète, elle casse les couilles aussi maintenant. Elle a récupéré triple, elle était déjà assez big. Elle a 230 CS. Ok, en soit les fights. Affichons comment les jouer. Gnar sert à rien, Sylvir sert à rien, elle a juste l'anti-heal. Sona apporte l'ardente, c'est globalement Kayle et Kayle en 2v8, fais gaffe à ça par contre. Oh putain. Bon, c'est pas mal, si personne ne bouge, Gwen me can't contest. Vous avez pas, mais teammate n'avait pas l'air courant qu'il faisait le nage en fait, c'est pour ça que j'ai pris. Seems like not when you they were doing Nash. Try to keep up. Oh, on peut pas l'avoir. Lesquels ils ont démoli ce Nasha. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. J'ai bientôt ma Muramana, ouais. Je suis assez close. Je suis très late dans la game. Enfin, très late. Genre, pour la Muramana, je suis assez late, honnêtement. Play, fight slow. Merci à toi, Jésus Peace. Tempo, Kyle ult, slash Kane engage. Le truc c'est qu'il y a le fight d'avant. En fait, le fight ici, elle s'est fait one shot. Elle est morte pendant qu'elle a incanté son ulti, elle est morte de Kane. Et le 3v2, non, apparemment pas dû prendre. Mais en gros, je sais pas trop comment Talia est morte. Parce qu'il y avait Gnar sur moi qui m'a flash in. Et Kayle a tué Talia sans ulti et après elle a turn sur Akai et moi. Un peu chaud. Time travel. Slow, slow, pas par là, pas par là. J'imagine qu'elle a encore l'ult. Je peux pas faire grand chose moi. Les Sylvia qui push mid, je vais laisser prendre l'ennemi d'essayer de le bot. J'ai raté mon Q spell. On a dû utiliser une exhaust et un heal à cause de ça. Elle est morte après. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Je vais faire l'anti-heal après là. C'est très dur. Hein. Je vais pas ult sur cette wave. Je sais pas, je vais faire BRK, je vais prendre le petit anti-heal et... Est-ce que je terminerai mon last whisper? Non, je pense pas. Mais l'anti-heal aidera pas mal déjà contre Kayle, Sona. Bah ciao bro. Il a pas fait mon raid quand même, non il a pas fait mon raid. Est-ce que je vais faire une moche? Peut-être... Ouais, il y a vraiment que Kayle en AD... Oh, en AP pardon. Il y a Sona quoi, qui va mettre des Q-spells. Et en ulti. Qui en théorie je vais pas me prendre, peut-être Scimitar. On donnera un peu de MR. On va traiter QSH, l'ulti de Sona, le slow de Kyle et le stun de Gnar. Je vais voir. On va voir les sous qu'on a quand on back.
Mirgirol to random. Ah, il a laissé le médecin. Il joue bien Camille. Hein. Pas touché. Ouais, cette fight à l'opposé de Kyle autant que possible. Nice fight. Fuck. Pas mal le Blue Smite sur Kayn. C'est vrai que. En vrai, le seul truc qui peut t'empêcher d'ult, c'est de pas pouvoir mettre des dégâts parce que tu te fais Kayn. Le Blue Smite, ça règle le problème. La souris, normalement, elle est fine. Par sa double flash. Ils ont utilisé le flash de kill, du coup ils ont utilisé le flash Kayn, le flash Sona, et le flash Sivir a été utilisé dans l'autre fight si j'ai pas de bêtises. Dommage. It was close. Après voilà, le Nash ils en ont honnêtement pas fait grand chose, hein. Ils ont pris une T3 mid, c'est tout, ils ont mis des dégâts à la T3 bot mais c'est pas trop un problème. Honnêtement, t'es 3000, c'est pas trop préjudiciable. On fait 4 pour 1, on perd une T3 à un inhib, je sais pas trop ce qu'on peut faire. On a eu une bonne engage quand même, mais... Plus de flash gnar, faut que je fasse très attention. J'essaie de repousser ça loin. C'est worse pour eux, hein. Malheureusement. Enfin, je veux dire, au moins on a gagné le fight, quoi. J'ai très peur que Kayle m'attende quelque part. Je repousse une wave de plus et back. Ça m'embête parce que là j'ai terminé la sous-sport apporte pas grand chose. Hein. Je pense que je vais go Scimitar mais. Ça m'apporte pas grand chose non plus. Enfin, il me faut beaucoup de gold quoi, il faut vraiment beaucoup de gold. On va prendre ça. Merci à toi et une potion, je pense que ça appartient. Merci à toi mec pour ton sub, Kerid. C'est compliqué. Ouais, mon itemisation pardon est compliqué parce que. J'ai quand même besoin vraiment de l'anti-heal, le truc c'est que la Swisper m'aidera vraiment que contre Gnar quoi. Et un petit peu contre Sona, mais sinon il n'y a vraiment aucune armure, il n'y a même pas d'armure en rune en fait. Sur Sivir et tout. Oh non. Nice. Go Nash, hein. Good job. Plus de flash Sivir. Je pense que ça aura cap hold. Autant qu'on termine le Nasher. Oh oui, c'est le patron de TCS. Ah putain. Bon, gagne en fight, on perd une T4. Après ça me paye mon Scimitar. J'attends ça. C'est bien, j'ai bien fait d'acheter ma potion je pense. Ça a augmenté grandement nos chances de gagner le fight, c'est 40 d'AD quand même. Je dis pas de conneries. 30. 30 d'AD mine de rien. Les teammates ont fait un bon fight, pour une fois t'es là c'est pas fait beurre.
Elle a pu DPS un petit peu, elle a mis un bon knock-up en plus. Voilà. Faut vraiment faire attention à la botlane parce que une seule tour qu'elle peut backdoor ça super fast. Hein. Qu'elle a une TP et tout, je crois pas qu'elle les use. Prendre ça c'est free. Hein. Ça fera un rip pour l'Elder éventuellement. Ça parce qu'on peut push bot, ou si on push contre un inhib c'est déjà ok, je vais utiliser ça là-haut là. Pour avoir la pression. Ouais, parfait. Je mets 3 levels à Sylvie, je suis tellement big. Oh non elle a pas le droit de faire ça. Oh elle a tellement pas le droit de mourir maintenant. Si on perd pas la game c'est bien, vraiment, no joke hein. Si on perd pas la game c'est vraiment vraiment bien. Fais gaffe ici là. Ok ça va. Bon on perd un ennemi, c'est pas... C'est grave mais c'est pas dramatique quoi, faut juste pas fight maintenant là. Faut vraiment éviter de fight là. Bon on va voir ça à death tandis que l'inhib va respawn. On peut le death maintenant parce qu'on est arrivé de Talia. Parfait ça. Non! Tristesse! Bon, on a fait du 4 pour 0, c'est déjà bien. Elle a, en plus, qu'elle a utilisé sa TP. Qu'elle avait pas la sienne pour aller backdoor ça. Je pense pas qu'on pourra pas terminer la game là-dessus, en tout cas, c'est sûr. Je sais même pas si on pourra prendre quoi que ce soit. C'était trop avancé en fait. Qu'elle a mis une bonne TP en réaction. On va lui prendre un raid. C'est déjà ça. Maintenant pour les inhibs aussi. Merde, je suis en 16-3. J'ai même pas eu, je suis trop concentré sur la game là. Ok, j'ai mon flash dans 30. Est-ce qu'on peut la porter avec ma bro Camille? C'est compliqué. En vrai, y'a vraiment que Talia qui pousse aussi dans la team. Genre, c'est vraiment elle qui se fait outclass. Ouais, je pense aussi. Y'a vraiment que elle qui se fait outclass hard, genre. Kriya, ça fait un bon taf. Nigel fait n'importe quoi, genre avec sa Senna. Et Garias, il arrive vachement bien à punir Sivir sur son positionnement. Genre ça fait 2 ou 3 fights d'affilée je crois que je suis Sivir à l'auto-attaque. C'est pas censé arriver sans que j'ai besoin de dash sinon. Bon s'il faut qu'on gagne encore un fight, si on gagne le prochain fight on peut win la game. Je sais que là je peux acheter mon last whisper mais c'est pas le meilleur timing pour back. On est en phase de pression pour une fois. Il n'y a pas de TP de Kai donc on n'a pas vraiment peur d'un backdoor particulier. Encore. Ah, c'est bon. On va se calmer maintenant.
Qu'est-ce que c'est que ça? Pushons bot, pushons bot. Allez. Il reste que K, il faut vraiment faire attention. J'ai mon cimitar donc en théorie il peut pas me burst. Il faut la go. 1-1. Pushons sur la K, ok. Est-ce qu'on peut end? Je pense qu'on peut, ça va être un peu dur mais je pense qu'on peut. TP sur Camille. Taper les Nexus 1. Hein. Retour. Oh là 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 là. Oh là là, on a réussi à la win cette game, hein. C'était pas facile, hein, putain. Genre honnêtement, merci à toi Penouler Biscuit pour ton sub. J'ai vraiment honneur Camille parce qu'elle a fait un bon taf, vraiment un bon taf. Et regarde, ça a fait du bon travail aussi, mais c'était pas suffisant, plus 15, hein. C'est vrai que je joue sur ce compte. Bon, les dégâts, on est pas mal devant. 50k quand même. Ouais, écoutez, bon travail de ma team globalement. Talian a rendu la tâche vraiment compliquée, franchement. Genre avec son... Enfin, elle se faisait trop catch son positionnement et tout. Heureusement qu'à la fin. Enfin, heureusement qu'elle avait acheté un Zonia en fait. Parce que si elle était morte sur le going de Kane, juste au dernier fight, là ça aurait vraiment été compliqué. Là, elle a plus Zonia. Elle a plus tempo. L'ulti de Soraka, la rédemption, mon heal à moi parce que je l'ai backup. Et derrière, Gregas, il est arrivé de manière régulière à aller chercher. Aller ramener Sivir. Donc, bah, ça a été une game assez propre au final. 23-13. 23-16, pardon. Je sais pas que j'avais fait autant de kills. Mais voilà, une bonne game. Bah, Ez, je vous avais dit, ceux qui m'avaient vu en stream, la dernière game, j'avais fait 0-8 avec. Je vous avais dit que c'était un peu particulier. Enfin, c'était un peu particulier. J'avais pas encore vraiment une game pour tester. Pour vraiment tester. Là, franchement, c'était une bonne game. Je vais le rejouer, je pense, et voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, le up sur Ezreal qui a l'air assez intéressant, honnêtement. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais des bisous YouTube. À la prochaine. Tchuss.